La quatrième conférence du groupe Makongo de Lusala a eu lieu samedi 24 septembre à l'école primaire de Mvungu. C'est une conférence publique ayant porté sur le thème « La place de la femme dans le Kingunza ». Elle a connu la participation de plusieurs autres groupes Ngunza de la ville. L'initiatrice de cette série de conférences, Mamantou Mwangwaka, évoque la pertinence de ce thème au centre de ses retrouvailles. La femme a une grande place dans la spiritualité, parce que quand nous entendons déjà la spiritualité, nous voyons que c'est féminin. Et donc la femme, c'est elle qui a tout le pouvoir. Déjà nos cheveux, ça nous dit beaucoup de choses. Notre instinct maternel, ça nous dit beaucoup de choses. Donc la femme a la plus de capacité dans la spiritualité, plus de miaouila, donc plus de sensibilité que l'homme. C'est pour cela qu'en Congo, on dit « Bukento Bunzambi ». Cette dernière a également insisté sur la portée du Kintwadi, l'unité pour atteindre le Kimpwanza, la liberté. Nos ancêtres ont travaillé dans les Yeng et Zola. Cette force-là, nos ancêtres ont gagné la bataille. Aujourd'hui, nous, dans le milieu Ngunza, nous sommes trop... Moi, je veux être chef à ma place, à ma façon, plutôt, excusez-moi. Moi aussi. Et on n'arrive même plus à reconnaître les bijimbu de tout un chacun de nous. Il faut céder la place aux gens qui ont cette couronne-là. L'Indengunza Mbuta Makundu, venu de France, a focalisé l'attention sur l'intérêt du travail si l'on veut s'épanouir, car il est dit, Sala Sambila, entendu, travailler et prier. Pour être crédible au sein de la société et être aussi crédible pour nos vies. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de s'instruire, de travailler pour que notre société aille de l'avant. On retiendra de cette quatrième conférence sur la place de la femme dans le Kingunza que la femme est sacrée. C'est elle qui reçoit la semence et la transforme pour donner la vie, à l'instar de la terre que l'on semble négliger, mais qui nous procure beaucoup d'éléments nutritifs.